Hey tout le monde, c'est Mister T-Alex et on se retrouve pour faire la crypte de Rouge. Sincèrement, je sais pas ce que c'est, mais on va le savoir tout de suite, hein, on va rentrer. Bientôt, bah, quand cette vidéo sera sortie, j'aurai déjà sûrement commencé la conspiration de Darwin et Deken, qui sortiront sûrement après celle-là, enfin, sauf si je sors d'autres vidéos d'Assassin's Creed. Mais dans tous les cas, je vais commencer à le faire. Pour moi, ce sera d'ici la semaine prochaine. Pour vous, je pourrais pas vous dire. À mesure que cette vidéo-là, elle ne sera pas sortie aussi en même temps. Enfin, elle sera même sortie dans les temps de la conspiration de Deken. Enfin, Deken et Darwin. Alors. Donc, c'est ici, l'entrée. Bon bah c'est parti. Oh chaud. C'est. Mon Dieu, c'est la crypte de Michael Rudge. La crypte de Michael Rudge, c'est pas vrai. Tu n'as aucune idée de qui c'est, hein? Pas la moindre. C'était un assassin. Père avait un de ses livres. Selon la légende, il aurait trouvé près de Bass un trésor qui l'a rendu fou. Il l'a caché dans une crypte qu'on ouvre en réunissant une série de boîtes à musique bien particulières. Des boîtes à musique bien particulières? C'est un fou, en effet. Je crois qu'en fait, c'est pas trop une mission. Je crois savoir ce que c'est. Ouais, bon, j'en ai déjà trouvé pas mal. Mais il reste encore beaucoup à trouver. Voilà. Ah, mais en fait, j'ai rien trouvé. En gros, c'est pas une mission. C'est les boîtes à musique qu'il faut trouver. Comme j'ai déjà trouvé en mission et que j'ai cru que c'était un indice, mais en fait, non. Ça va enclencher quelque chose, je pense. Du coup, ça va débrouiller. Du coup, c'est pas une mission. Du coup, je me suis carrément trompé. Comme c'est pas une mission, c'est autre chose. Enfin, c'est pas grave, moi je vous ai montré, du coup ça fait partie de l'histoire principale. Enfin, non, secondaire, mais ça suit l'histoire. Ah ouais, c'est pas mal. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire Ah bah ouais, je sais pas du tout, du coup. Eh, comme c'est pas une mission. Ouais, c'est pas grave, au pire je vais me promener pendant 10 minutes, peut-être faire des combats dans le catch. Ah, je suis dégoûté, j'aurais cru que ça aurait été une mission où il fallait trouver quelque chose à l'intérieur et tout. Fin de compte, pas du tout. Je suis bien dégoûté. Ouais, c'est pas grave, au pire. Je vous ai dit tout, on irait voir la mission, comment faire là-dedans et tout, mais en fin de compte, c'était pas une mission. Vous m'en voudrez pas trop, j'espère. Celui-là, j'ai déjà fait. Celui-là, j'ai déjà fait. Ouais, je vais faire que des combats, parce que les courses, j'aime pas trop, mais je vous en ferai quand même des courses. C'est des missions secondaires, comme ça, hop, ça occupe, hein. Celui-là, je l'ai déjà pas fait, ouais. Ouais, bon, pas établi. Lui, je l'ai pas fait. Voilà. Du coup, on va aller faire celui-là. Parce que, comme c'était des niveaux élevés et que moi, j'avais pas le niveau pour le faire, du coup, j'avais pas fait. Puis, comme j'étais en plein dans l'émission de Trade Full Crime, et bah, du coup, je l'ai pas fait non plus. Et là, je vais aller le faire. Avec vous en plus. On verra si j'ai du talent. Enfin, j'ai pas de talent du tout, hein, mais. Pas grave. Ok. Je dois les tuer. Quelle belle élimination. Ah ouais, vous avez vu quand même. Jacob, c'est un vrai gamin, c'est genre le mec qui s'en bat les couilles, qui croit pas en sa crypte. Et même comme pour la pomme d'Éden, hein,
Enfin, la pomme, si on peut appeler ça, si, bah si. Il y croyait pas non plus au pouvoir d'Eden. Mais bon. Ouais, moi aussi je réclame que justice soit faite. J'avais besoin d'un véhicule, du coup, hein. Je les tue, hein. C'est des blighters. Je m'en fous. J'aurais pu appeler aussi une carriole m'appartenant. Mais j'y avais pensé trop tard. Du coup, là, par la conspiration Darwin et Deacon, pas trop quoi faire maintenant, là. À mesure que c'était pas une mission là que je voulais faire, ça m'embête un petit peu. Parce que j'étais trop content, ouais, c'est une mission, elle a l'air trop bien. Bah non. C'était pas une mission. Bon bah pour ceux qui savaient que c'était pas une mission, hein, m'en voulait pas. Je ne savais pas du tout comme je connaissais pas ça. Enfin, quoique, j'aurais pu deviner que ce n'est pas une mission, mais pour les boîtes à musique, hein. Attendez, est-ce que j'ai un coffre quelque part? Ah ouais, il est carrément en dessous. Du coup, bon, on va rentrer. Bon, bah, du coup, ce sera une petite vidéo. Hein. Du coup, je fais juste ce combat et puis hein, je vous laisserai. Bonne chance, quoique vous n'en avez pas besoin. Mais si j'ai besoin de la chance et je suis pas fort quand même. Hein. En mode sexy. Je vais te crever les yeux. Cassage de bras. Continue à combattre. Toi, si jamais je te coince. Je vais te faire avaler tes dents. Bouh. Ah, elle cogne. J'aime bien les jumeaux, comment ils se battent. Surtout au point, c'est bien. Ouais, je commence direct d'entrée. C'est chiant parce que les angles de caméra, on sait pas après quand est-ce qu'ils nous attaquent. Du coup, faut essayer de prévoir avant. Mais prévoir avant, c'est pas possible. Par, on sait très bien qu'il va nous attaquer. Hein. Machine à tuer. Ouais, les deux éliminations. Bon, on va dire qu'ils ont rien, elle les a juste tués légèrement. Bon, elle les enchaîne quand même. Et c'est encore plus cool que les premiers niveaux quand même, les combats. Hein. Parce que les premiers combats, oh là, c'est d'une ennui. Enfin, d'un ennui, je pense que ça était plutôt comme ça. N'attaque pas dans le vide, ça sert à rien, tu pourras pas m'attaquer quand j'attaque quelqu'un. Oh merde. Bon bah, j'avais pas vu celui-là. Et quand je disais les angles de caméra, on les voit trop tard, du coup, si on n'a pas assez de réaction, bah, on croit. Maintenant. Ouais, j'essaie de prévoir.
C'est quand même assez simple en fait. J'aurais pas cru. Tente pas du cul, Evie. Ouais, ça va, la monnaie elle commence à monter là. En gros, pour faire les éliminations. 1, 2, 3, éliminations multiples, faut maintenir carré. Et pour ceux qui sont sur Xbox One, je crois que c'est X, je me rappelle plus, j'étais sur Xbox avant la 3.6. Pendant toute la 3.6, j'y étais. Puis là, je suis passé sur PS4. Je sais pas pourquoi, parce que j'aimais bien. Je voulais pas attaquer celui-là, mais c'est pas grave. Trois éliminations, même pas. Non, deux. Ah si, trois. Ouh. Ouais, ça va, c'est stylé. Elle l'avait jamais fait celle-là depuis que j'ai fait trois éliminations. C'est la première fois que je le vois. Oh bah t'inquiète, je compte revenir. Genre le dernier combat. Bon allez, le dernier round. Bon allez, je leur donne un petit peu de chance. Voilà, il essaye encore d'attaquer. Hein. Bon, on l'a déjà vu celui-là. Hey, le gros, tu fais chier là. Oh, j'aurais dû attendre comme ça, je refais encore des éliminations. Ouais, je sais, le son il est un peu fort donc. Je sais jamais si vous m'entendrez ou pas. Mais c'est pas grave après. Ce que je dis, généralement, c'est pas trop intéressant. Bah pour l'instant c'est moi qui vous brise. Bon allez, 4 gars arrivent encore. Ouais allez viens. Je t'attends. Vas-y si tu veux. Ah ouais, là, elle l'a jamais fait. Ah si, j'ai déjà vu. Et voilà. Terminus. Tout le monde descend du ring. J'ai gagné. Oh, j'ai gagné une canne épée. Une canne épée, je sais pas quoi. Ah si, clair obscur. J'en ai pas besoin. Nouvelle championne. Je suis un champion, ça plaît, je suis un mec. J'ai pas changé de sexe. Et je le changerai pas. Bon allez, je vais prendre le coffre. Oui, voilà, crocheté. J'espère que j'aurai un truc intéressant. Ouais, point de fer, j'en ai pas besoin. J'aime pas trop les points américains. Ok, je crois qu'elle peut pas monter. Ah, c'est pas grave. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ou petite vidéo fail, en croyant que c'était une mission alors que non. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, sur ce jeu ou un autre. Bon, allez, sur ce, à la prochaine. Bye bye.